قداش قعد الفيلم هذايا اللي مازلنا كي شفناه اللي هو اسمه بابلون قعد بالضبط 119 دقيقة 50 ثانية وانتم قد قعدتوا في الكام تاع راس الجدير قعدنا في كل ثلاثة جمعات اما سيغ دو فوا مشينا المرة الأولى أول نهار سيتي 3 مارس 2011 قعدنا جمعتين بعد روحنا لتونس ثلاثة جمعات بعد عودنا رجعنا فان أفريل pour une semaine. Le camp Il choix. Quoi que, jusqu'à maintenant, nous avons fait complètement. Nous avons fait à peu près 1500 réfugiés qui appartiennent à des pays qui sont en guerre, ou à la guerre civile, ou à la autre, ou à la en état d'occupation, qui m'a fallu signer, par exemple. Donc, je suis là, en fait. Et donc, voilà, je suis là, je suis là, Donc, mais elle a près. Donc, un de ta statut de réfugié politique. Quel statut ils ont voilà. Je sais pas du tout. C'est un statut assez précaire. En tout cas, ce qu'on a vu, les contradictions. Lorsqu'on était là-bas, leur statut était indéterminé, comme on le voit dans le film. Le passeport en terre. بعد ان certain moment يعيطوا لهم باش ياخذوا لي باسبور وقت اللي يلقاو لهم دي فول ولا يجيو دي نافير دو كير كي ما سمعت ان نافير دو كير باش تروح بالريفوجي نتاعها وقت اللي رجعوا لهم الباسبور ويمشيو بور سو كي سون ريستي جوسكا مانتون جو سي با سي سي ان ستاتيو ولا سي يا دي ديمارش قاعدين يعملوا فيها سا جو كان يمكن دي فريجي وال جوستومون الحيره هذه اللي تحكي عليها Il y a un genre de flou indescriptible, je pense, dans l'histoire, qui est réelle, ou je pense aussi dans l'image, du début jusqu'à la fin du film. Donc, est-ce que c'est un hasard, ou c'est un choix esthétique sur lequel Ismail Alaeddin Slim et Youssef ont joué dessus. D'ailleurs, le flou, il existe dans l'image, mais il existe dans le son aussi. Dans le son. Et c'est pas vraiment un flou, je suis pas d'accord. Oui, c'est plus une multitude de sons qui se chevauchent, beaucoup de diversité de sons. Bah, il y a plusieurs types de sons. Mais ce sont des flous, ce sont des sons très très clairs, au contraire, hein, ils ne sont pas flous quand on les entend. Justement, comme c'est une multitude, comme ils sont plusieurs, comme ça, ils se chevauchent, ça crée une sorte de flou sonore aussi. Mais flou, ce n'est pas le terme que j'emploierais en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Mais en fait, la machine, en fait, je ne sais pas le film, mais on a pas fait clair. عندنا حتى فكرة على شنو الفيلم باش يكون ولا شنو الحكاية اللي باش نحكيوها ولا كيفاش باش نعمل دايوغ نذكر وقتها اونتخ نو معناتها كسوا وقت اللي نحضروا باش نمشيو ولا وقت اللي في الثنايا باش نمشيو معناتها نقولوا بينات بعضنا نحكيو نبداو نحكيو اوكي وكل شيء وديما نرجعوا نقولوا اللي نحنا بون عندنا دي كاميرا وعندنا دي زونجيسكور ودي زاباري فوتو باش نصوروا كل شيء ومن بعد كان ما فماش فيلم معناتها مش لازم فما فيلم معناتها اي اون اريفي سور بلاس On est arrivé sur place et c'était le chaos, c'était vraiment le chaos. C'était le 3 mars 2011, exactement. Oui, et c'était le combienième jour du camp. Adhérent du camp. Exactement, je ne peux pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que Melish a créé C'était la deuxième ou la troisième semaine. Alors, à la fin du film, Melloul, le camp, tout Charlie, qu'il n'a pas. Oui, mais ça, c'est la mise en scène, ça. C'est la dramaturgie et la mise en scène qu'on a construite. D'accord. En fait. Donc, justement. Nous avons femme à détente, femme à des réfugiés. Nous avons commencé le film avec les insectes. On barde avec l'installation de quelques tentes, on barde l'arrivée des réfugiés. Mais ça, c'est de la mise en scène, en fait. De la mise en scène, justement, par rapport à ça. A priori, qui n'est pas mon. L'arcée, disons, la réalisation du film, le tournage qui fait Bdet, qui fait Sarat, in situ sur le camp,
قبل ما نشوفوا الفيلم خاطر اليوم انا اول مره نشوفوا الفيلم puisque c'est l'avant-première je pense que le public tunisien aujourd'hui aussi c'est la première fois qu'il le voit et à partir de demain du 1er novembre beaucoup de gens vont le découvrir je pense سمعنا برشا على بابلون سمعنا معناتها على كل شيء dans le sens les prix qu'il a gagné comment il a été fait l'expérience vraiment unique de ce film. Et donc, on s'attend réellement, avec toutes ces histoires, à voir un film qui est construit sur la désorganisation. Mais oui, ce que tu dis est juste, et je pense que c'est. Ça devrait être, pour moi en tout cas, ça devrait être la règle. Un film n'est pas un miroir. Moi, je suis absolument contre cette idée de dire qu'un film, ou une œuvre d'art, est un miroir de la société, ou un miroir du monde. C'est pas du tout ça pour moi. Un film ou une œuvre d'art, c'est une construction formelle d'un propos. À partir de là, c'est la première question que tu te poses, je pense.